Ça dit quoi? Super, magnifique. Des émotions. Du coup, il est... Alors la composition, c'est parti du titre du morceau, du titre du court-métrage qui s'appelle La recherche du silence. Donc j'ai décidé que ce serait minimaliste et que ce serait assez froid avec des sons et des réverbes inversés, des sons qui font penser un petit peu au froid. Et donc je suis parti sur une note de piano très aiguë, avec un espèce de flat sur une octave. Avec des effets et deux notes de chant, une quinte que j'ai utilisée avec un sample de voix bulgare au départ. Et j'ai fabriqué la musique comme ça. Et après, j'ai mis le film en route, comme je fais toujours à l'image. Je mets le film en route, je me mets au piano et je joue et j'enregistre ce que je joue. Et ça, ça me fait la trame de ma composition. J'ai monté la musique comme ça, j'ai écrit la trompette puisque Clément Foissel avait favorisé la rencontre avec les frères Rémusat. L'idée c'était de mettre de la trompette, et puis avec un son avec une réverb sans bas et assez froide aussi. Et puis ensuite, la chanteuse Lily Young m'a proposé d'enregistrer une voix en plus, d'enregistrer à la place de ces samples que j'avais fait qui étaient très simples, et d'enregistrer en improvisant. Donc elle a improvisé une piste en plus de ce que j'avais fait. Je veux que t'entendes, c'est ça. Là, si. Là. Ah, ça. Ah, et toi, sur la deuxième note grave, si tu chantes. Et toi, sur la deuxième note grave, on a une mesure avant que tu joues. C'est un si, c'est ça? Ouais. Je reprends un peu avant. Et d'avoir cette musique qui nous dépasse, puisque moi je l'ai écrite avec mon piano, et là il y a deux personnes de plus, moi je joue en live, il y a une salle pleine, c'est un moment où la musique échappe au compositeur, et la chance que j'ai, c'est que je la compose et je la joue, donc j'ai les deux, j'ai le beurre et l'argent du beurre, et ça c'était vraiment, vraiment très fort. Et à la fin, quand je les voyais parler de leur truc, je me disais, ce qu'on fait nous, ce que j'ai fait moi, c'est vraiment dérisoire par rapport à ce qu'on fait, quoi. Eux, ils sont allés se geler les miches à moins 40 degrés, à pas voir à 2 km. Enfin, quand ils ont raconté ça, c'était super impressionnant. Là, je me disais, moi, j'étais dans mon studio, dans mon fauteuil, et je faisais du piano. Donc, il y a cette perspective-là qui est assez intéressante. Ça rend vraiment dérisoire ce qu'on fait, nous. Mais en même temps, je me rends compte aussi que c'est très important dans le projet, que la perception du film que les gens ont eue a été décuplée par la musique. Voilà, c'est un projet super intéressant à vivre du début à la fin. Je suis très content d'être de l'écriture au live.